radio de notre émission, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour le 13e jour de l'été sur Fortnite Battle Royale. C'est-à-dire l'avant-dernier jour de l'été, voilà, on n'a plus que cette journée-là. La journée de demain et après, bah après les gars, les 14 jours d'été, ça sera déjà terminé. On va découvrir les nouveautés de la journée. Alors je me suis fait spoil un truc, le skin d'aujourd'hui les gars, je me le suis fait spoil. C'est le meilleur skin, le skin que j'attendais depuis qu'ils ont annoncé les 14 jours de l'été. Voilà, c'est ce skin là les gars, c'est le skin terreur fluo mais version plage, tu vois ce que je veux dire. C'est le, voilà, tenue terreur des plages, voilà exactement, terreur des plages est disponible dans la boutique. Donc voilà, ça, ça fait extrêmement plaisir. Bon, tout le reste, je suis pas au courant. Donc là, à l'instant, je viens de découvrir quoi? Je viens de découvrir que le sniper, c'est le sniper coup par coup qui est de retour aujourd'hui. Ouais, oui, ok, ça... En vrai, c'est cool parce que les gars, le sniper coup par coup, il est bien. Après, on a déjà le sniper coup par coup silencieux. C'est quasiment la même chose, je trouve, il n'y a pas trop de différence. Mais voilà, le sniper coup par coup qui est de retour, ça fait plaisir. Et nouveau défi, 14 jours d'été. Ah, c'est une musique. Oh, c'est stylé aussi en vrai. Une musique, c'est stylé. Alors hier, bon, je sais pas du tout il y avait quoi les gars. Hier, j'étais pas là, j'étais pas chez moi. J'étais à Paris pour toute la journée les gars. On avait un événement organisé par Reyes. Voilà. Et c'était trop bien. Je vais vous expliquer pendant le game et tout tranquille les gars. Bref, nouveau défi, 14 jours d'été. Trouver un petit canard en plastique pour obtenir une nouvelle musique du menu, la musique paillette. Ah ouais, par contre là les gars, les défis, va falloir les faire rapidement parce qu'ils s'arrêtent bientôt. Temps restant 8 jours. Ah non, ça va, encore 8 jours. Ouais, non, il y a encore 8 jours. En vrai, ça passe. Et du coup, c'est la musique paillette. Attendez, on va mettre la musique à fond histoire d'écouter. Volume de la musique 1. Vas-y, mets-nous la musique paillette à fond, gros. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Ouais, ouais. Ouais, la cité est là. C'est MC Michou pour un nouveau freestyle, ma man. Ah, c'est juste ça la musique là. Parce que elle est longue un peu à commencer là. Ah. Ok, trop bien. Archi lourd. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est la musique de la danse paillette, mais remixée en fait. En fait, ils aiment bien mettre des musiques de menu en remixant des musiques de danse. En vrai, ça va, passe, hein. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien, hein. Ça fait un peu musique à la Disney Channel, à la Anna Montana. Enfin, je sais pas trop ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire en même temps. Bref, du coup, boutique. Ouais, boutique. What? Flamand de jardin? Elle existait, cette pioche? What the fuck? Ok, ok. Oh, il y a l'intello, les... Ah, mais attendez. C'était... Mais what the fuck? Mais il existait pas, ce skin, avant? C'était peut-être les skins d'hier, non? Il y avait peut-être ce skin-là hier. Mais what the fuck, mais il est trop bien. Mais mec, mais je l'ai acheté direct. Mais je l'ai acheté direct, roi des... Mais mec, ok. Je pense qu'il est nouveau, hein. Je pense qu'il est nouveau, il devait être là hier. Il y a encore les skins Stranger Things. Ok, ok. Il y a le skin Intello, bien évidemment. Le skin Intello, vous pouvez acheter un autre skin. Un skin avec un autre code créateur. Mais le skin Intello, là, c'est obligé, c'est code créateur Michou Kroot. Obligatoire même, hein. Ok, la danse kermesse. Et surtout, il y a le nouveau skin Terreur des plages. Oh là là, ce skin-là, il est trop d'art, hein. Non, ce skin-là, il est vraiment trop trop classe, hein. Ça, ça part direct sur un achat. Ça, les gars, je pense que vous allez être très nombreux à l'acheter. Et je fais partie de ces gens qui l'achètent. Et sac à dos, c'est quoi? C'est un skate? Ok. Ok, ouais, pas mal. Bon, des skates, on en a déjà plein, des sacs à dos skate. Mais pourquoi pas, on prend. Et du coup, il y a un nouveau revêtement, étoile fluo. Bon les gars, vous savez, j'aime bien les revêtements. Et moi je reviens, je me fais pigeonner comme jamais les gars. Étoile fluo, ça part sur un achat. Et planeur bombette. Bon, planeur, je suis un petit peu moins fan. Donc je vais pas prendre. Mais voilà, déjà là on a un petit ensemble assez sympa. Je vais juste remettre cette pioche. Et du coup, mode de jeu de la journée, attention les gars. Mode de jeu de la journée, c'est quoi? Course à la tempête. What the fuck? Course à la tempête, surf. Ça va surfer, sauter du bus de combat et monter sur votre planche de surf. Utilisez des grenades répulsives pour balancer les adversaires dans la tempête. Faites la course contre la tempête et les autres surfeurs pour être le dernier survivant. What? Mais attends, mais wow! Mais c'est carrément plus un mode de jeu normal là. Là, ça, en fait, il n'y a pas d'armes ni rien. On a des répulsives et on doit aller le plus vite possible pour échapper à la tempête. Ouais, c'est stylé, mec. Vas-y, on va mettre ça.
On va mettre ça, donc c'est en section. On va mettre en section comblée. Oh, ça a l'air stylé, mec. Ce mode de jeu, il a l'air quand même beaucoup trop stylé, non? Oi, ça va être classe. Oh là là, ce jour de l'été, je vais le kiffer, les gars. Je vais le kiffer, bordel. Ouais, du coup, je disais, hier, les gars, j'ai pas pu faire la vidéo pour le 12e jour de l'été ou quoi, parce que j'étais pas chez moi. En gros, il y avait un événement organisé par la marque de vêtements Reyes, je sais pas si vous connaissez. Voilà, perso, j'aime bien. Et enfin, en fait, ils ont contacté Inox, et Inox, il a parlé de moi. Du coup, voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont fait un événement qui était trop stylé, c'était un événement d'Airsoft, les gars. Et c'était la première fois que j'en faisais. En gros, on était tous abandonnés dans une forêt. What the fuck? Ok, on était tous abandonnés. En fait, c'était Fortnite dans la vraie vie. Voilà. Voilà, c'est. Non, mais pour résumer, c'était Fortnite dans la vraie vie. D'ailleurs, je me suis pété la jambe parce qu'à un moment, j'ai couru. Je me suis pris un trou. Du coup, je suis tombé. Et mon genou, il a atterri direct sur. Sur un rocher. Et du. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce mode là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, ouais. Pourquoi je peux rien faire? What the fuck? Faut que je garde ma planche ou pas? Mais c'est quoi ce délire là? Attends, je comprends rien, gros. C'est parti, c'est la course. Ah oui, faut aller dans la tempête là. Ah ok. Ah, ça va être ça en fait. En gros, ça va être du moving zone quoi. Et faut. Oh merde. Bon, j'ai surtout pas intérêt à perdre ma planche de surf. La tempête, elle va vite ou pas? Bon là, c'est le début. Ça a l'air d'aller. En vrai, elle va vite quand même. Hein. What the fuck, ouais, elle va vite en vrai. Regardez, regardez la vitesse de la tempête. Ah ouais, elle va archi vite, mec. Elle va archi vite. Quoi, on est que 12? Pourquoi on est que 12? What the fuck? Ok, on n'est pas beaucoup, les gars. Je pense qu'il y a vraiment moyen que je gagne, en vrai. Hein. Ok, on a 6 répulsives. Ouais, c'est pour éjecter les gens dans la tempête. Ok, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais là, je suis trop près du centre. Là, si j'en utilise une, ça sert à rien. Puis on en a que 6, donc je préfère les économiser. Youpi! Par contre, mon pote, il est en train de se faire fumer, non? Putain, mon pote, il galère, frère. Alors moi, les gars, j'ai un truc bien, c'est que je contrôle bien les... sans faire le mec ou quoi. Je contrôle quand même plutôt bien les overboards. Wapant, là, va falloir tracer, gros. Et merde, déjà, je suis allé dans un trou. Très mauvaise idée. Vas-y, on trace. On va plus vite que la tempête, voilà. Putain, il y a déjà des gens là-bas, mais wesh, ils sont chauds. Aïe. Non. Faut surtout pas tomber d'overboard, mec. Trop dangereux. Ouais, c'est bon, je suis dans la zone. Oh, le bâtard. Ok, c'est bon. Je suis dans la zone, je suis même plutôt... Oh, le bâtard, il est dans le courant d'air. Je suis même plutôt bien, là, en vrai. Eh, merde, j'ai pas réussi. Attends, mais en vrai, là, je les utilise pour rien, là, mais... Ah, mais en fait, elles reviennent. J'en avais 4, je suis repassé à 5. Ah ouais, en fait, on peut les utiliser, elles reviennent petit à petit. Ils se battent à la pioche, les bâtards. Allez, hop, ça dégage. Merde, elle est où, la zone? Allez, là-bas. Allez, let's go. Plus vite que ça, mon rey. Ouais, gros. Attends, je vais trop vite. Aïe, je vais trop vite. Putain, je prends des dégâts de zone parce que je vais trop vite, quand même. C'est con, ça. C'est quand même un peu chiant. Très mauvaise idée là ce que je fais hein. Je reste collé à la zone, quelqu'un me met une répulse derrière. J'arrive dans la zone, c'est pas grave. On est déjà plus que 9, il y en a déjà beaucoup qui sont morts de la zone là en vrai. Hop là. En vrai je descends pas de mon overboard les gars. Je pourrais descendre de mon overboard pour me concentrer à balancer des répulses sur les autres. Mais le problème c'est que si je descends et qu'il y a un mec qui balance mon overboard, après je suis à pied. Il veut se battre. Il veut se battre à la pioche. On a le droit de se mettre des dégâts à la pioche, ça marche. En vrai, c'est cheaté. Putain, j'arrive pas à l'envoyer, ce bâtard. Mec, c'est trop dur. C'est trop dur d'envoyer des... Bah, lui, il a réussi, en tout cas. Lui, il a pas trouvé ça dur, hein. Il a bien... Alors, c'est sympa, parce que tu m'aides à aller dans le bon sens, mais là, j'avais pas besoin, j'étais déjà bien. Il s'est envoyé tout seul. Oh, le mongol. Merde, bouge. Merde. Putain, mais j'y arrive vraiment pas, hein. Les gars, overboard, ça va, je contrôle assez bien. Mais répulse, ça va pas du tout, là. Hop là, petit salto sur place. Ça va ou quoi?
On a encore 7, hein. En vrai, c'est trop dur de se tuer dans ce mode. Et mine de rien, j'ai quand même perdu 10 PV, hein. Mine de rien, ça part vite quand même, mine de rien. Wow, j'ai dit 4 fois mine de rien, mec. Ça y va, les mines de rien. Mais la zone a commencé à être de plus en plus petite, non? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus rapprochés que tout à l'heure entre nous. Ouais, je crois que la zone a commencé à être de plus en plus petite, genre. Oh là là, ça va être la chicha, ça. Ça va être la chicha. Hop là, petit salto avant, mon pote. Vas-y, la zone, plus vite. Allez, plus vite, là. Putain, en fait, j'ai rien dit. Elle avance pas vite, la zone. On peut prendre des pommes. Oh ouais, trop bien. On a pas une note. Oh, trop lourd. Je suis retourné à 100 PV. Je suis trop bien, mec. Bah alors là, si je fais pas top 1... T'inquiète pas que je fais top 1, là, gros. Oh, merde. Oh, le bâtard. Allez, allez, tiens. Oh, lui, je l'ai niqué. Oh, je vais balancer sa planche archi loin. Là, il a le seum. J'espère qu'il va mourir. J'ai balancé sa planche de surf archi loin. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Si un mec, il perd sa planche, gros, tu le balances. Tu le balances loin de sa planche. Il veut me taper à la pioche, ce fouet. Bon, je crois pas qu'il soit mort, hein. Merde. Très mauvais bail, ce que je viens de faire. Très très mauvais bail, ouais. Ouais, ouais, ouais. Archi mauvais. Wow, ça fait du 10 par 10. Ouais. Ouais. Je suis mort. Non, mec, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais je me rends top 3 comme ça. Mais mec, j'ai beaucoup trop le seum. Oh non, la mort nulle, la mort nulle. La mort nulle à chier, gros. Je me suis auto-balancé dans le mauvais côté, dans la zone. Et après, la zone allait aller beaucoup trop vite et j'arrivais pas à rattraper. Ah ouais, j'ai le seum. Ok, c'est les deux derniers. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, la mort nulle, je suis trop déçu. Je suis beaucoup trop déçu. Ok, bon bah les gars, voilà, c'était le petit test du mode de jeu de la journée, qui est grave cool en vrai. En vrai, il est grave cool. J'aime bien aussi les modes de jeu qui sortent totalement du mode Battle Royale classique où t'as des armes et faut se buter, etc. Les modes de jeu comme ça, moi, je surkiffe, franchement, c'est trop bien. Si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, bien évidemment, avec la cloche de notification. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous laisse là et puis je vous dis à demain pour, du coup, le dernier jour de l'été. Les gars, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.